Tiens, si tu veux voir mon studio, là j'ai mon petit plan. Une première lumière, une deuxième lumière et mon PC. Une sorte de plan de studio, pas de galère, hein. Je dirais un studio de débrouillard. Salut et bienvenue dans l'Egon Alternative Show. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc qui me pose un petit peu problème en ce moment. J'aimerais qu'on discute de comment aider un ami. Alors, tu sais, je sais pas si t'es comme moi, sans doute, parce que quand j'ai eu l'occasion de parler à pas mal d'entre vous, peut-être qu'on a discuté déjà toi et moi, et peut-être que t'es ce que j'appelle un aideur, quelqu'un qui vient souvent en aide aux gens, ou quelqu'un envers qui, enfin, peut-être que tes potes, tu vois, viennent vers toi pour te demander des conseils sur peut-être des relations qu'ils ont ou un problème avec leurs parents ou que tu es ce genre un peu de personne, tu sais, qui aide. Moi, j'étais un peu ça au collège, enfin, et même au lycée, j'étais le mec à qui les filles racontaient un peu leurs problèmes, tu vois. Donc peut-être que tu es un aideur comme moi et que tu as l'occasion souvent d'aider des amis et de parler des mêmes trucs. Et moi, là, je me heurte à un problème. Enfin, je me heurtais à un problème, je ne sais pas si j'en suis sorti, mais je pense que sur la bonne voie, c'est que il y a un truc qui nous arrive, c'est que quand on a de l'expérience dans quelque chose, tu sais, quand on a de l'expérience dans un domaine, quoi que ce soit, tu vois, le domaine amoureux ou je sais pas, peut-être que t'aides tes amis tout simplement sur des cours, tu vois, que tu leur aides parce que toi t'es fort en maths et qu'eux ils galèrent un peu, ou alors, ouais, sur des problèmes avec des potes, des parents, ou j'en sais rien, on a parlé des drogues, ça aussi. Eh bien, quand on s'y connaît dans quelque chose, on a tendance avec le temps à prendre les nouveaux un peu de haut et à prendre leurs questions un peu, à les prendre un peu pour des débiles, tu vois. Et moi, c'est vraiment un problème auquel je me heurte en ce moment, c'est que j'ai eu notamment des questions, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup eu de questions sur le voyage, ce qui va de soi, parce que je suis parti en Australie. Et c'est vrai que je comprends, enfin, le fait que je parte en Australie, que je parte en Working Holiday Visa, et que je finance moi-même mon truc, que je cherche du taf, et ça génère des questions, forcément. On se demande comment on apprend l'anglais, on se demande comment trouver du travail, à quelle gueule doit avoir notre CV, quelle position il faut prendre, quel hôtel, quelle assurance, hein, tout un tas de questions qui sont normales à poser, que je me suis posé aussi. Et c'est vrai que vu que moi, ça commence à faire un bail que je suis en Australie, tu vois, tout ça, c'est un peu derrière moi, on va dire. Je sais comment trouver un job, aujourd'hui j'ai l'expérience, tu vois, je sais parler anglais, enfin je sais parler anglais, je me débrouille pas mal parce que bah, je pense que j'ai plutôt un bon niveau maintenant, au niveau de l'assurance et des logements, c'est plus du tout un problème. Enfin, j'ai plus peur de tout ça, j'ai plus toutes ces craintes qu'on peut avoir avant de partir. Et le truc, c'est que quand j'ai des questions comme ça, j'ai une façon d'aborder les trucs en ce moment. J'en parlais avec ma copine parce que vraiment ça me posait un petit peu problème. Enfin voilà, c'est parti de ça en fait. J'ai reçu un message d'une personne sur Facebook. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, tu vas sans doute te reconnaître. Mais qui me disait que, en gros, il était arrivé à Melbourne, donc c'est une ville en Australie, depuis 3 mois et galérait à trouver du travail, tu vois, parce que il pensait que clairement le facteur qui l'empêchait de trouver un boulot, c'était l'anglais. C'était ça qui planchait. Et donc, il m'envoie tout un message. Ouais, salut Egon, je regarde toutes tes vidéos et tout. J'adore ce que tu fais. J'ai une question. Je suis à Melbourne là et j'ai clairement un problème d'anglais et ça m'handicape clairement pour trouver un travail. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour l'anglais? Dans quel secteur tu penses qu'il faudrait que je cherche un job et sur quel site il faudrait que je cherche un job? Un peu toutes ces questions, tu sais, qu'on se pose et tout. Et jusqu'à présent, au début, je répondais à ces questions quand je suis arrivé en Australie parce que j'étais dans le même cas au final. Mais maintenant, récemment, ces derniers mois, j'ai commencé à adopter une sorte de réponse, d'auto-réponse, de solution qui consistait un peu à faire que les gens se débrouillent par eux-mêmes. C'est-à-dire que souvent, vu que je recevais souvent ces questions, tu vois, la personne qui m'envoie ce genre de questions-là, tu vois, elle les pense sincèrement, elle espère sincèrement une réponse parce que elle est émotionnellement impliquée dedans. Mais voilà, vu que je suis déjà passé par toute cette étape et que je reçois souvent ces mêmes questions, tu vois, moi, c'est 10, 20, 30 messages qui posent souvent la même question, eh bien, je me dis, mais attends, il y a un moment, il y a un truc qu'il faut que je, qui,
qui doit pouvoir mieux marcher que tous les autres, quoi. Et là, ce que je faisais jusqu'à présent, du coup, c'était d'ignorer ces personnes et de les obliger à trouver la solution par eux-mêmes, tu vois. Je me disais, bah, écoute, je vais les obliger à apprendre de la même manière que moi j'ai appris, c'est-à-dire que bah, moi aussi, je me suis fait ignorer, rejeter par des gens qui, eux aussi, devaient recevoir des milliards de questions. Et du coup, j'ai dû trouver les trucs un peu par moi-même. Et c'est ce que je fais du coup, tu vois. C'est vrai qu'il y a plein de messages où on m'a posé des questions et tout, où j'ai pas répondu parce que j'ai considéré que de une, j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet, que s'ils voulaient chercher vraiment des trucs, mais ils avaient qu'à y aller par eux-mêmes, tu vois, à vraiment creuser un peu avant de poser une question. Tu vois, quand t'invites quelqu'un à parler sur ton plateau, un auteur, t'as au moins lu un de ses livres, enfin tu vois un peu cette mentalité-là, qui est pas forcément la meilleure. Je suis pas en train de dire ça, d'ailleurs je vais te dire pourquoi je pense qu'aujourd'hui c'est pas très sain. Et donc voilà, je les obligeais un peu, je les ignorais quoi, parce que je pensais que c'était la meilleure solution, les forcer à chercher par eux-mêmes. Et le problème c'est que je me suis rendu compte que dans ce cas-là, de une, il n'y a pas de progrès, parce que quand tu te bases sur l'expérience de quelqu'un d'autre, en fait tu prends le problème avec déjà une marche au-dessus. Tu pars en quête de ton problème, tu pars conquérir ton problème avec déjà un savoir de plus que celui qui s'est confronté au problème, et donc un avantage. Et c'est ça tout l'avantage de l'être humain en général, c'est que quelqu'un teste un truc, il se chie, et ben il pourra dire à l'autre, ben écoute, moi j'ai essayé ça, je me suis chié, essaye plutôt un autre truc, tu vois, parce que ça marche pas trop bien. Et c'est ça tout l'avantage d'Internet et des vidéos et de cette chaîne même, tu vois, c'est de pouvoir partager de l'expérience pour que les gens puissent rebondir dessus. Et pas tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, qui était complètement l'opposé de tout ce que je viens de te dire, qui consiste à envoyer les gens valdinguer en disant bah écoute tu veux ton truc et ben démerde-toi, tu vois. C'est un peu ça que je voulais dire quand je disais, tu sais, il faut commencer à bosser dur, un peu chercher les trucs par soi-même. Et je me suis rendu compte que très récemment, mais ce matin pour te dire, que c'est vraiment peut-être pas la meilleure solution et la meilleure approche. Et la meilleure astuce, et c'est ça qui m'a un peu travaillé aujourd'hui, je me suis dit mais en fait, le truc où je me suis trompé depuis très très longtemps, c'est que je me mettais plus dans la peau d'un novice, tu vois. Et c'est ça qui fait tout l'avantage de quelqu'un qui sait expliquer, de quelqu'un à qui on peut vraiment se confier, par rapport à quelqu'un qui se considère vraiment au-dessus des autres et qui est injoignable par conséquent, parce que le mec, voilà, il a déjà testé ses trucs et quelque part il est déjà sur un autre problème, il peut pas revenir en arrière, il peut pas se remettre dans la peau d'un gars qui débute tout juste, quoi. Et ce genre de personnes-là, ils sont chiants parce que tu peux pas parler de trucs basiques avec eux tout de suite, ça les fait chier, ça les irrite, et c'était vraiment devenu mon cas. Et c'est là que je me suis dit que il faut que j'apprenne à me remettre dans la peau d'un débutant. Et il faut que j'apprenne à, il faut que je travaille sur mon empathie. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un de très empathique. Je pense que j'arrive vraiment à me mettre dans la peau des gens et à cerner les trucs, mais pas quand ça devient répétitif. Et je pense que c'est un super bon exercice pour moi de me dire mais, que c'est la facilité en fait de renvoyer bouler les gens, et que c'est pas comme ça que je vais réussir à accomplir ce que j'ai vraiment envie de faire, tu vois, qui est d'aider les gens et d'avoir un impact. Je me rends compte qu'en fait, même si ça demande un effort énorme, enfin moi ça me demande un effort énorme, parce que c'est vrai que ce genre de question elle t'énerve, tu vois, enfin je sais pas si c'est ton cas, mais t'as un pote qui vient te dire, enfin je sais pas à quel exemple on pourrait prendre, t'as un pote qui vient te demander merde, je sais même plus les termes en maths, tu sais, quand t'as une fonction x carré plus x plus un chiffre et la mettre au carré, la décliner, tu sais, t'as un pote qui vient te demander ça, tu lui expliques, nickel. T'en as un deuxième le lendemain qui vient te demander, et ça pendant 30 jours, au bout d'un moment, t'as envie de dire, bah merde, prends ton putain de livre de maths et me fais pas chier, quoi, j'en ai ras le cul. Et c'est ça qu'il faut que je me remette en tête, c'est que il faut que j'apprenne à... Ouais. En fait, il faut apprendre à se remettre dans la peau d'un débutant, et il faut apprendre à expliquer simplement sans en vouloir à quelqu'un d'être tout débutant et de rien savoir, tu vois. Il faut faire un peu l'idiot, en fait. Enfin, celui qui découvre l'idiot aussi. Je sais pas si tu me suis jusque-là. Et du coup, je me suis dit, ça va me demander de mettre mon ego de côté pendant vraiment,
pendant pas mal de temps, mais ça va vraiment être bénéfique, je pense. Et je me suis fait une petite liste d'étapes et je te partage ça parce que si t'es quelqu'un qui aide et si t'es un aideur, tu vas sans doute être confronté à ça. Peut-être que tu vas monter aussi une chaîne YouTube. Peut-être que t'en as déjà une. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont une chaîne YouTube et vous risquez ou vous êtes peut-être confronté déjà à ça. C'est que les gens te demandent souvent les mêmes choses. Et si eux, ils te demandent vraiment avec toute la bonté du monde, ben toi, au fur et à mesure de tes réponses, tu commences vraiment à avoir un air agacé. Du coup, je me suis mis une petite étape qui sont toutes très simples. C'est première étape, se mettre à la place de X, se remettre dans la tête du débutant qui sait rien et qui attend sincèrement une réponse et une aide, tu vois. Deuxième étape, dire la vérité. Parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à vouloir faire plaisir aux gens quand on leur... On a peur d'être trop dur en disant la vérité pure, tu vois. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je l'ai remarqué même dans les vidéos, d'essayer d'atténuer un peu mon opinion pour dire que ouais, mais c'est toujours possible, tu vois. Alors que des fois, la réalité, elle est dure. Et il vaut peut-être mieux la manger telle qu'elle, tu vois, pour... comme on avait dit dans une vidéo, tu sais, savoir qu'on part déjà à la guerre, plutôt que d'essayer d'atténuer le truc et que le mec se retrouve, enfin, et de se retrouver avec une espèce de rempart dans la gueule auquel on s'attendait pas du tout, tu vois. Et troisième étape, et c'est ça que je faisais pas, et c'est ça qui me manquait, et c'est ça l'idée de génie qui m'est venue, c'est de rappeler au mec que c'est normal. Et en rappelant à la personne que c'est normal, tu vois, de te poser toutes ces questions, mais ça te rappelle à toi aussi que c'est normal, tu vois. Si quelqu'un vient vers toi et te dit, écoute, je sais pas, on va prendre un exemple de fille. Moi, je suis un mec, tu vois, on parle de copine souvent avec les potes et tout. Ouais, elle m'a largué, putain, quelle salope, elle parlait à ce mec et tout. Et imagine 10 de tes potes qui viennent en te racontant la même histoire. Mais leur dire que c'est normal qu'ils sont dans le mal et c'est normal qu'ils vont traverser cette espèce de période où ils vont se sentir dans la merde et où rien va n'aboutir. Et tu sais, cette période post-rupture où t'es juste bon à rien et ça dure environ 2 semaines, de 2 semaines à 2 mois. Moi, des fois, ça a duré même bien plus, mais voilà, c'est jamais agréable. Et rappeler que c'est normal et dire que voilà, c'est pas quelque chose d'anormal. Par exemple, pour le mec, pour l'anglais, que... tu galères peut-être pour l'anglais, il va falloir que tu regardes des vidéos, mais c'est normal et t'es pas le seul et il y en a plein qui sont dans ton cas. Mais ça te permet de te remettre dans la tête de ce débutant, tout simplement. Et moi, ça m'aide beaucoup. Et à partir de maintenant, je vais essayer de faire ça, tu vois. Je vais essayer d'être un peu plus cool et de rassurer les gens parce que être trop dur, il faut être dur en annonçant la vérité, mais il faut pas être trop dur en essayant d'apporter des réponses. Je pense que ça mène à rien. Je suis en train de m'adoucir un peu sur les opinions, là, c'est vrai, mais il fallait que je te partage ça, en tout cas, parce que si t'es un aider, et un aider, j'ai inventé ce mot de toutes parts, là, je l'ai inventé il y a 10 minutes, il existait pas, t'as clair. Mais ouais, si t'es un aider et que tu vas être amené à aider des gens, je pense que c'est bien d'avoir ce bagage en tête, parce que c'est jamais agréable de sentir que ça te fait chier quand les gens te posent des questions, parce que moi c'est ce que j'ai toujours demandé quand j'avais pas suffisamment d'abonnés, tu sais, quand je commençais toujours tout juste ma chaîne, et à partir du moment où j'ai commencé à avoir plein de questions, je disais bon, vous faites chier, regardez un peu par vous-même et tout, et c'est pas une bonne attitude. Je me confie vraiment à toi là, je te dis un truc qui est pas facile à admettre, mais je pense que ça peut aider d'autres gens qui sont dans la même situation. Et voilà, et ouais, moi je te dis, aujourd'hui là, franchement, je deviens un peu fou, j'ai toujours pas reçu mon matos, j'en peux plus, j'ai vraiment trop hâte de le recevoir, ce casque. Je sais que ça va rien changer, que ça va pas du tout m'apporter des nouvelles idées, que c'est toujours pareil, tu sais, tu te dis, bon, il manque plus que ce truc là pour que tout change et tout, et je sais que ça va pas être le cas, mais j'ai juste envie de m'amuser avec et d'avoir vraiment un super son et d'avoir commencé à avoir un peu des nouveaux jouets, quoi, tu sais. Tout le matériel que j'utilise, c'est à peu près le même depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, donc je le connais quasiment par cœur, tu vois. Et c'est vrai que changer, des fois, ça fait vraiment pas de mal. Et on en discutait avec ma mère, des fois, investir dans du matériel, tu vois, ça te pousse à t'investir dans ton activité. Si, par exemple, tu fais de la peinture et que t'as toujours été un peu, tu vois, un peu le cul entre deux chaises, en mode pas pro, mais pas amateur, un peu entre les deux, et bien si t'investis dans un sale pinceau, tu vois, un sale pinceau et une sale encre chinoise, mon père, il fait des dessins à l'encre chinoise, un truc qui va te coûter 700 euros, et bien tu vas être beaucoup plus motivé à faire du dessin et tu vas te sentir un peu obligé, tu vois, tu vas te sentir pas responsable, mais comment dire, tu vas te sentir... c'est pas obligé, c'est pas responsable, c'est...
Ouais, un terme dans ce genre-là, j'ai oublié le terme, tu vois, mais voilà, tu vas sentir qu'il faut que tu le rentabilises, ce crayon. Donc des fois, c'est une bonne idée de se jeter un peu dans le vide en s'achetant du nouveau matos qui coûte des fois cher, et même si ça fait un creux dans ton, un trou dans ton compte en banque, ça va vraiment pousser un peu ton art au next level, tu vois, tu vas vraiment, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ce micro avec ce podcast. Donc voilà, moi, t'as vu, j'ai commencé à utiliser SoundCloud, donc tu peux aussi écouter pour les prochains podcasts le podcast, mais sur ma page SoundCloud, je l'ai appelé The Egon Alternative Show, j'adore ce nom et je pense que je vais le garder. J'ai aussi très très hâte de pouvoir faire des vidéos et des podcasts avec des gens que j'interviewe, mais ça va pas être facile tout de suite. Il faut encore que je travaille dessus, que je trouve le moyen d'inviter des gens. Peut-être qu'il faut juste que je les aborde et que je leur dise, mais écoute, ça te dirait qu'on parle de ça et tout, mais il faut que je les connaisse déjà un minimum, tu vois. Donc faut qu'on ait des discussions. Donc ouais, je sais pas encore trop comment je vais faire, mais bon, je vais trouver un moyen. Moi, je te laisse ici. Et merci d'avoir écouté cette émission et je te dis à la prochaine. Passe une bonne journée, bonne soirée. Ciao!